Pourquoi les rouges-gorges sautillent? Adapté par Annette Carouter. Illustration de Chris Baldwin. Pourquoi les rouges-gorges sautillent? Une fois, il y a très longtemps, tous les oiseaux du monde se sont rencontrés. Ils avaient un problème. Tout avait commencé lorsque les renards avaient commencé à pourchasser les rouges-gorges. Normalement, les renards pourchassaient les poules. Un jour, un renard a suivi les traces d'une poule, ou du moins le pensait-il. Les traces étaient en fait celles d'un rouge-gorge. À cette époque, toutes les empreintes des oiseaux étaient les mêmes. Les poules savaient qu'elles devaient fuir les renards. Les rouges-gorges, par contre, ne le savaient pas. Alors, le renard a facilement pourchassé les rouges-gorges. Les rouges-gorges en avaient assez de se faire pourchasser. Tous les oiseaux se sont rencontrés. Ils voulaient protéger les rouges-gorges contre les renards. Il leur fallait un plan. Hibou a demandé : Que pouvons-nous faire? Le pic vert a dit, laissons les rouges-gorges voler sans arrêt ou demandons-leur de rester dans les arbres. Corneille, le corbeau, n'aimait pas ce plan. Elle savait que les rouges-gorges mangeaient des vers de terre. Les rouges-gorges doivent pouvoir marcher sur le sol, a dit-elle. Pardon, a-t-elle dit. Oups, madame a fait une faute. L'oiseau mouche, c'est-à-dire un colibri. Oiseau mouche a dit, laissons les rouges-gorges se nourrir à partir des fleurs. Mais cela ne marchera pas non plus, a dit Moineau. Les rouges-gorges n'ont pas le bec qu'il faut. Les oiseaux ont réfléchi. L'hibou, la poule, la corneille, rouge-gorge, le moineau, la rat. Finalement, Hibou a dit, laissons les rouges-gorges sautiller sur deux pattes. Les empreintes des rouges-gorges ne ressembleront pas aux empreintes des poules s'ils sautillent, a expliqué Hibou. Bien, très bien, ont crié tous les oiseaux et ils ont battu de joie des ailes. On voit des ailes ici, ici, ici. Les poules marcheraient une patte devant l'autre. Les rouges-gorges sautiraient.
De cette façon, les renards ne seraient pas confus. Hibou était heureux d'avoir pu aider les rouges-gorges. Il pouvait maintenant dormir tranquille. Depuis ce jour, les renards ne pourchassent que les poules. Les rouges-gorges fouillent en paix le sol à la recherche de vers. La fin.